Bonjour les amis. Bonsoir tout le monde, on teste cette tout. Vidéo, il est 21h donc on dit bonsoir. Bonsoir. Donc explique-nous ce qu'on va faire jeune homme aujourd'hui. On va vérifier si on est bien les enfants d'Einstein. Et donc on va vérifier en testant notre culture, c'est-à-dire en faisant un petit quiz. Voilà, un petit quiz. Quiz oui. Donc c'est parti, on va pas trop s'attarder sur la présentation parce que voilà. Qu'est-ce qui s'accroche au mur et donne sa main à tout le monde? Une poignée? Une serviette ou une image? Bah une serviette ça donne pas de la main, ok? Une poignée c'est pour moi ça. Bah oui. La mère de Pierre a trois garçons. Tic, Tric et... Trac c'est logique. C'est une logique ouais, scientifique. Logique le trac mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une entourloupe. Jackson? Ouais, moi j'aurais dit le tic mais bon, allez, trac. Ça passe à travers la fenêtre et ça ne se brise pas. Rayon de soleil, air ou eau. Ah, ça passe par l'intérieur de l'eau, donc c'est pas de l'eau. Et l'air, vu que la fenêtre est fermée, non, c'est les rayons du soleil. On peut utiliser le Joker. Il a jamais regardé qui veut gagner des millions. Putain, j'arrive pas à le si. Qui veut gagner des millions. Rayon de soleil. Un rayon de soleil. Rayon de soleil. Vous êtes malade et recevez 3 comprimés. Elles doivent être prises toutes les 30 minutes. Le premier, tu le prends tout de suite. Ah. Le deuxième, 30 minutes. Non, c'est 60. Pourquoi? Parce que le premier, tu le prends tout de suite. Oui. Le deuxième, 30 minutes. Oui. Et le troisième, 60. Tu pars pas de 30. Ah. On peut l'applaudir. Merci, on merci. Peut l'applaudir. À mon avis, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui bouge et reste immobile? Jonathan. Une roue, une jambe ou un nez? Un nez, ça bouge pas. Ah bah si. Le nez, quand tu bouges, regarde, il bouge mon nez. Ouais, ouais. Pardon. Ouais, allez, on va la jambe. Devant moi se trouve la police. C'est la dernière question, attention. Ah oui. Devant moi se trouve la police. Derrière moi, une voiture. Juste devant moi, un avion. À gauche, un train. Où suis-je? Ouh. Et oui, donc c'est forcément dans un embouteillage. Bizarre, mais oui. Au moins 5 points sur 10. Les noobs! Second test. Second test. On continue sur un petit vrai ou faux. Le drapeau de la Belgique et celui de l'Allemagne ont les mêmes couleurs. Exactement. Oui, ça c'est vrai, ça. Alors, le drapeau de la Grèce remonte à plus de 1000 ans avant J.C. Pour moi, je dis que c'est... C'est vrai. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, pour moi, c'est faux. C'est faux, toi, tu penses? Ouais, c'est faux. Faux. Oh. Le drapeau olympique a été utilisé la première fois aux Jeux de 1916. Alors, soit c'est... Soit c'est vrai, soit c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Nope. Eh bah non. Eh bah non, qu'est-ce que t'as dit? Je suis sûr que j'aurais répondu l'autre, le truc se serait inversé, tu vois, dans la vraie vie, tu vois, ça serait inversé. Ce drapeau est le drapeau de l'Union Européenne. Oh la honte. Mais non, non, c'est les étoiles, non, c'est faux ça, c'est faux. C'est les étoiles, hein, oui, c'est faux. C'est les étoiles, c'est faux. Le drapeau de l'Afghanistan est le seul drapeau qui arbore un bâtiment. Non, c'est faux. T'es sûr? Je pense. Moi, je dis que c'est vrai. Je sens que c'est vrai. Ah, j'ai envie d'appuyer sur vrai. Ah, qui c'est qui a le plus intelligent? Et moi, C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, ça m'a fait trop mal. On a 7 sur 10, c'est 7 pas mal. Sur 10, putain. Franchement, on a de la bonne ouais, culture. On gère de ouf, mon gars. L'espérance de vie d'une carpe koi est de 3 ans. Voilà la réponse. Non, ouais, je pense. C'est faux. Non, c'est faux, parce qu'un poisson, ça vit tellement, mon gars. Mais les carpe koi, elles sont spéciales, remarque. Mais non, c'est faux. Oh ah vive même plus de 50 ans, mec. Ouais. La raie. La raie. La raie torpille peut produire une tension électrique de 250. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Clic sur raie. Le diodon, on le connaît bien sûr. Il est pas beau. Moi, je le connais. Peut quintupler de volume. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Clic sur vrai. Ah, c'est celui qui se met en boule là. Oui, ça c'est lui, ouais, c'est sûr. Il a les petits poils. Nope. De rien, bah. Il fait tripler, il quadruple pas. Le crocodile possède 3 paupières sur chaque œil. Ah, ça c'est vrai, ça. C'est vrai. Ils ont 3 paupières qui se reposent sur leur œil.
Le petit du phoque Blanchon triple son point en 12 jours. Ouais, faux, non, si, triple. C'est énorme, triplé oh, en 12 jours. Ouais, ouais. Moi, c'est ça pour être vrai. Juste pour faire chier, c'est vrai. Voilà, putain. Blanchon de merde. Blanchement. Grâce au lait de sa mère qui contient 45% de gras. Il existe un requin 3 fois plus gros qu'un éléphant. 3 fois plus gros qu'un éléphant. Ah, 3 fois, non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nope. Hein ? Le requin baleine pèse entre 12 et 18 tonnes. Ce requin ne se nourrit que de plancton. Ah oui, en filtrant. Plancton. Mais oui. Oui, parce que je sais, c'est un requin qui ouvre gros sa bouche. On vous met une vidéo tout de suite. Le requin baleine est le plus grand de tous les poissons. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres et peser près de 34 tonnes. Si sa masse impose le respect, peu de créatures marines n'ont à craindre ce mastodonte pacifique qui se nourrit d'un des plus petits organismes de l'océan, le plancton. Tout ça pour dire qu'on a un peu de culture générale, pas trop, hein, voilà, la théorie, on l'achève. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo. Tchou, tchou.